réforme constitutionnelle a refait face après 3 tentatives échouées. Les détails avec le président des experts chargé de la révision constitutionnelle. Traditionnelle présentation de vœux de nouvel an du président de l'URD, Soumaïla Cissé, à la presse malienne. C'était ce mardi 22 janvier à la maison de la presse. Le prix de la baguette du pain n'a pas connu et ne connaîtra pas de hausse avant la concertation de la commission. Les détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition. Nous ouvrons ce journal par le sujet de la réforme constitutionnelle qui fait face après 3 tentatives échouées. Une proposition faite par le président de la République, son Excellence Ibrahim Aboubakar Keïta, ainsi notre équipe de reportage a approché le professeur Makamoussa Sissoko, président des experts chargé de la révision constitutionnelle. Il est au micro de notre équipe de reportage. Cette révision constitutionnelle, vous avez dit que ça a refait surface parce que depuis 1998, au Forum politique national, l'ensemble des acteurs politiques du pays s'étaient rendus compte des imperfections de la Constitution. Donc on s'était mis d'accord sur un certain nombre de points à corriger dans la Constitution, et ce qui avait donné lieu à la réforme de 2000, qui a été arrêtée en cours de chemin pour des motifs politiques. Ce n'était pas juridique, c'était des raisons politiques. Donc c'est les mêmes lacunes qui sont là, qui ont été corrigées à la Constitution, à la révision avec le comité d'Abadjawara. Les problèmes juridiques étaient réglés, la date même du référendum était fixée. Malheureusement, il y a eu le coup d'État qui a empêché le référendum. Donc en fait, on est tous d'accord qu'il faut réviser. Et c'est pour des contraintes politiques qu'on n'a pas pu le faire. Et la troisième révision aussi, qui reprenait toutes ces solutions, n'a pas pu avoir lieu à cause de la situation politique, parce que certains estimaient que la situation de guerre ne permettait pas un référendum. Donc nous pensons que c'est la quatrième tentative et qu'elle sera la bonne. Parce que tout le monde est d'accord sur le constat. Il y a des problèmes. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire le deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali 15 jours après le premier tour. C'est évident. Tout le monde est d'accord qu'il faut créer une Cour des comptes. Donc en fait, les grands problèmes, il y a l'unanimité autour des solutions. Maintenant, il s'agit de résoudre le problème politique. C'est pourquoi cette fois-ci, le président de la République a donné des instructions fermes à notre comité pour qu'on ait la démarche la plus inclusive possible, c'est-à-dire rencontrer tout le monde et obtenir l'adhésion et la participation de toutes les parties de la société malienne. Donc c'est ce qu'on va faire. Ils sont connus. Par exemple, la durée de l'intérim, 40 jours, ce n'est pas possible. 15 jours, le deuxième tour après le premier tour, ce n'est pas possible. Créer une Cour des comptes, on est tous d'accord. Avoir une deuxième chambre pour du Parlement, pour avoir un Parlement bicaméral, tout le monde est d'accord. Ça va s'appeler au Conseil ou au Sénat, c'est ce qui reste à discuter. Et l'accord aussi a prévu cette seconde chambre. Donc en fait, tous les problèmes sont connus, mais il s'agit de trouver l'articulation politique pour que les solutions soient acceptées. Effectivement, c'est-à-dire comme le président nous a donné l'instruction avec le Premier ministre d'avoir la démarche la plus inclusive possible. Donc nous sommes prêts à aller, nous allons partir dans toutes les régions du Mali. Nous allons rencontrer tous les partis politiques, majorité, opposition. Nous allons rencontrer la société civile, nous allons rencontrer les sociétés, la société civile, en tout cas les organisations des femmes, des jeunes. En fait, le plus large panel possible sera interrogé. Et je vous remercie de votre proactivité. On ne va pas aller vers les médias, mais les médias qui viendront vers nous, nous allons donner l'information. Mais nous allons aller vers la population et nous comptons sur vous tous pour passer le message, parce qu'il s'agit d'une question nationale et d'intérêt national. Donc chacun doit jouer sa participation et nous comptons sur vous tous. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on se crédite de la bonne foi. Nous sommes tous des Maliens, nous voulons tous l'intérêt du pays. Personne n'est contre ce pays, en principe. Tout le monde veut que ce pays avance. Et chacun, à sa place, doit pouvoir être capable d'apporter sa petite pierre à l'édifice national. Donc, je demande que les gens nous créditent de bonne foi. Nous voulons aussi discuter de bonne foi avec tous ceux qui veulent discuter avec nous.
on n'est pas fermé, on est ouvert et toutes les suggestions et propositions seront examinées et validées si c'est nécessaire. Le dernier mot, c'est que je vous remercie parce que vous êtes la première télévision à venir à la source et je vous félicite et vous encourage à poursuivre dans la voie que vous vous êtes fixée. Également annoncé dans les titres, le président du parti URD, l'honorable Soumaïla Cissé, était devant la presse ce mardi 22 janvier 2019. L'objectif, c'était la traditionnelle présentation de vœux de nouvel an à la presse malienne. La cérémonie a eu lieu à la maison de la presse. Awa Kamisogo, Moussa Temine. La présentation de vœux de l'IRD a débuté par la très mauvaise nouvelle du décès ce mardi matin de M. Babassou, premier vice-président des jeunes de l'IRD suite à un accident de circulation. Une minute de silence a été observée dans la salle pour le repos éternel de l'âme de Babassou, premier vice-président des jeunes de l'Union pour la République et la démocratie, IRD. Comme à son habitude, le parti de l'Union pour la République et la démocratie, IRD, a présenté ses meilleurs vœux de l'année 2019 à l'ensemble de la presse malienne. C'était sous la présidence du président du parti Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Le président Soumaïla Cissé a parlé de plusieurs préoccupations de l'IRD pour l'avancement du Mali. Moi, de me retrouver avec vous pour accomplir une tradition, celle de vous présenter mes vœux à l'occasion de la nouvelle année 2019. Permettez-moi tout d'abord de remercier les éminentes personnalités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Je voudrais présenter au nom de l'IRD et à mon nom propre mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de plein succès aux professionnels des médias que vous êtes, à vos familles, à vos partenaires, ainsi qu'à vos auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, et aussi aux internautes et autres amis des réseaux sociaux. J'associe à ces vœux, une fois de plus, l'ensemble du peuple malien. Que la nouvelle année soit pour notre pays une année de paix, de réconciliation, de quiétude et de prospérité. Mesdames et messieurs, l'année 2018 a été particulièrement éprouvante pour les professionnels de la communication en général et les journalistes en particulier. En effet, en 2018, 80 journalistes, tous supports confondus, ont été tués en faisant leur métier, tués tout simplement en voulant informer. 80 personnes tuées dans l'exercice de leur métier, tel est le bilan macabre que l'ONG Reporters sans frontières a présenté en décembre 2018 contre 65 décès enregistrés en 2017. Cette hausse de la violence perpétrée contre les journalistes est tout simplement inacceptable. C'est pourquoi Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, a affirmé sans ambages, je cite, « La libération de la haine contre les journalistes est l'une des pires menaces pour la démocratie. » Il ajoute que contester aujourd'hui la légitimité du journalisme, c'est jouer avec un feu extrêmement dangereux. L'IRD partage entièrement ce constat et rappelle sa disponibilité à approfondir et à appliquer toutes les initiatives visant à protéger les journalistes contre ces exactions indignes de notre époque. Aux familles des victimes et au monde de la presse, je présente mes condoléances les plus attestées. Je souhaite également prompt rétablissement à tous les blessés de ces douloureux événements. Je profite également de l'occasion pour réitérer nos condoléances aux familles des journalistes maliens décédés en 2018. Tués en 2018, a connu une hausse. Le nombre de journalistes emprisonnés a connu aussi une hausse inquiétante. 348 contre 326 en 2017, soit une augmentation de 7%. Nul ne doit se taire face à de telles situations. La liberté d'expression chèrement acquise doit être jalousement entretenue pour le confort de la démocratie. Au Mali, le constat est triste, sinon alarmant.
Plusieurs journalistes ont été assignés en diffamation devant les tribunaux maliens. Il est temps pour notre pays d'aller vers la dépénalisation des délits de presse. Je dis bien la dépénalisation des délits de presse. Je souhaite ardemment qu'en appel, la récente condamnation en première instance du journaliste Boubacar Yalkoué soit réformée. En 2018, nous avons suivi avec beaucoup de stupéfaction les révélations faites sur les menaces proférées contre des journalistes. Autant, nous prenons le respect par les journalistes des règles déontologiques de leur profession, autant nous condamnons fermement les actes d'intimidation et les menaces à l'encontre des journalistes. Une presse libre est la condition d'une démocratie vivante et respectueuse de ses citoyens. Ne l'oublions jamais. Difficile de clore ce chapitre sans rappeler la disparition mystérieuse du journaliste Birama Touré depuis bientôt 4 ans. Une première en République du Mali. Les auteurs de la disparition de Birama Touré courent toujours. Ils ne se connaissent. Ils ont décidé de s'enfermer dans leur lâcheté, pensant qu'ils pourront échapper à la justice. Non, ils ne pourront jamais échapper à la justice divine. J'ai également une pensée émue à l'endroit du journaliste Issiaka Tamboura, enlevé vers Douanza il y a quelques semaines. Je pense très fort à tous nos réfugiés, nos déplacés, nos compatriotes de l'extérieur, ainsi que nos compatriotes civils et militaires et les amis du Mali pris en otage par les forces du mal, notamment le juge Sungalo, le gendarme Mamadou Diawara, le préfet de Tenenko, la dame Sophie Petronin. Chacun d'entre eux, en ce qui les concerne, vit des moments particulièrement difficiles et éprouvants. À eux tous, j'exprime mon soutien, ma solidarité et surtout mon souhait le plus ardent de voir les otages regagner sans délai leur famille en bonne santé. Mesdames et messieurs, selon le rapport 2018 de Reporters sans frontières, le Mali s'est classé 115e sur 180 pays évalués en matière de liberté de presse. Ce résultat peu reluisant nous éloigne de notre statut de bon élève obtenu il y a moins de 10 ans et nous maintient dans la zone rouge. En 2012, souvenez-vous, le Mali occupait en effet l'honorable 25e place. Il chute en 2018 à la 115e place aux côtés de dictatures liberticides. Pour réussir leur mission, nos forces armées de sécurité doivent être impérativement équipées et formées. C'est pourquoi aucune indiscipline ni délinquance financière ne doit être tolérée dans la gestion des ressources allouées à nos forces armées et de sécurité. C'est l'occasion de leur réitérer tout mon soutien et toute ma fierté pour leur dévouement. Mesdames et messieurs, les journalistes et hommes de médias, malgré la faiblesse de vos moyens, vous continuez à donner le meilleur de vous-même pour dénoncer les maux qui minent notre société. Vos dénonciations des maux ainsi que vos révélations des scandales financiers et autres dérives du régime en place constituent un apport inexplicable en vue de la quête de la bonne gouvernance et de la gestion saine des deniers publics. Je tiens à vous en féliciter. Continuez à dénoncer les dérives. Continuez à interpeller. En un mot, continuez à jouer pleinement votre rôle de quatrième pouvoir. Pour l'honneur de votre profession, pour la dignité des Maliens, pour le confort de notre démocratie, résistez. Résistez, ne point céder. Je fais mienne enfin cette citation célèbre qui dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai
pour que vous ayez le droit de le dire. Pour renouvelant mes voeux de bonnes et heureuses années, je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu bénisse le Mali. Le premier vice-président de la Maison de la Presse, Alexis Kalambri, a parlé au nom de la presse malienne. Je voudrais d'abord vous présenter, au nom de mes confrères, nos sincères condoléances et vous exprimer toute la sympathie de la presse pour votre camarade qui vient de nous quitter. Puisse son âme reposer en paix. Monsieur le Président, vous êtes attendu sur les chantiers du dialogue, de la réconciliation, de la cohésion sociale, de la lutte contre les extrémismes. La presse souhaite et espère que l'URD ne se dérobe pas à ses missions, que Soumaïla Cissé réponde aux défis du Mali. Je voudrais vraiment, au nom de toute la presse, vous exprimer encore une fois nos remerciements pour la considération et pour l'estime honneur que vous nous faites chaque année. Je vous remercie. Vivement 2020 pour d'autres présentations de vœux de l'IRD à l'ensemble de la presse malienne. Le sous-directeur du commerce intérieur et de la consommation nous a expliqué que le prix de la baguette du pain n'a pas connu de hausse. Il déclare également qu'il n'y aura pas de modification avant la concertation de la commission des acteurs de la boulangerie. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage à Fatimata Koulibaly, Sidi Mamane Sidibé. La semaine dernière, il y a des informations qui ont circulé par médias pour annoncer une éventuelle hausse du prix du pain. Moi, je m'empresse tout de suite pour vous dire que il n'y a pas hausse du prix du pain et il n'y en aura pas. Parce que lorsque le ministère du Commerce a pris ces informations, tout de suite, le ministre a rencontré les acteurs de la filière pain pour discuter de leurs problèmes. Pour rappel, je vous informe qu'il y a un cadre de concertation qui a été créé pour discuter des problèmes des acteurs de la filière pain. Chaque fois qu'il y a un problème, avant de décider quoi que ce soit, ils doivent s'adresser à ces cadres. Sinon, les prix qui sont en cours présentement ont été fixés depuis 2016. Voilà, à la suite d'une réunion de concertation. Donc, quels sont ces prix-là? Les prix pour le pain, comme on appelle le gros pain, voilà, qui fait 300 grammes, est vendu à 250 francs. Quant au petit pain, la petite baguette qui fait 150 grammes est vendue à 125 francs CFA l'unité. Il y a une fédération nationale des boulangers et pâtissiers du Mali, mais c'est une partie des boulangers qui ont décidé d'aller à une augmentation. Comme je viens de vous dire, toute prise de décision en dehors du cadre de concertation est considéré comme nul. Donc c'est le comportement de certains boulangers. Ce n'est pas tous les boulangers. D'ailleurs, lorsque la réunion que je viens d'annoncer, qui s'est tenue le 16 janvier, les résolutions de cette réunion ont recommandé la mise en place d'une commission. Cette commission est composée de la Direction générale du commerce et de la concurrence, les représentants des boulangers, les représentants des détaillants, les commerçants détaillants, les représentants des consommateurs, les représentants des industriels et les représentants des distributeurs. Cette commission doit travailler pour faire l'état des lieux du secteur de la boulangerie avant d'aller à une augmentation ou à une baisse des prix. Parce que ça peut être une baisse aussi lorsqu'on va faire l'état des lieux. Certains parlent d'augmentation, ça peut être une diminution des prix. Mais on ne saura
faire quoi que ce soit tant que on n'a pas fait l'état des lieux. Donc lorsqu'on aura fait les allées, effectivement, s'il faut augmenter ou diminuer, on le saura. Donc d'ailleurs, ce soir à 15h, il y a la réunion de cette commission qui va effectivement voir la méthodologie, bien la procédure à mettre en place pour effectivement aller à l'évaluation effectivement de ces boulangeries-là. En tout cas, j'insiste là-dessus, il n'y a pas d'augmentation pour l'instant. L'augmentation n'est même pas à l'ordre du jour. Une modification n'est même pas à l'ordre du jour. Voilà, parce que la modification, ça peut être une augmentation ou une diminution. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Mon dernier mot, je m'adresse à la population, aux consommateurs. Effectivement, d'avoir l'esprit tranquille. Il annonce qu'il n'y a pas d'augmentation sur les marchés et que ce n'est même pas l'ordre du jour. Il y a d'ailleurs sur les instructions de la hiérarchie. Donc, il y a des équipes qui sont là pour veiller sur l'application stricte des prix consensuels qui est en cours, c'est-à-dire les 250 francs pour les gros pains, en Zikébé, et 125 francs pour les petits pains. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.